Hello human beings, welcome back to my channel. If you guys don't know me, my name is Cecily. I am an American who has been living in Paris for the past 2 years, and today's video is just going to be showing you guys what my French currently sounds like after living here for the past 2 years. And I can tell you guys right now, I did not speak pretty much any French when I first arrived here. I knew the basics, bonjour, bonsoir, that's pretty much it. I couldn't really have like even a basic conversation or anything like that. So I'm making this video just to show you guys that it is possible to immerse yourself into a country and be able to fully learn the language. Also, if you're wondering why I'm just like in a sports bra right now, is because it is currently June and we are in a heat wave. For every summer that I've lived here, we just get like this crazy heat wave in the summertime, and it's here. Hope you guys enjoyed today's video, and let's just get right into it. Salut à tous, aujourd'hui je vais faire cette vidéo en français car il y a toujours beaucoup de monde qui me demande si je peux faire des vidéos en français. Alors voici la vidéo. Même si tu comprends pas les français, j'ai les sous-titres ici. Je veux vous dire pour tous les français ici qui sont en train de regarder cette vidéo, bien sûr que je vais faire des erreurs et des fautes, quand même je vais essayer. Aujourd'hui je vais te montrer trois de mes endroits préférés à Paris, soit un parc, soit une rue. Tous les endroits que je vais vous montrer, c'est en fait ils sont dehors. À cause des virus, il y a toujours les endroits que j'aime bien, mais je peux pas te montrer parce qu'ils sont toujours fermés, alors on peut pas y aller. Je crois que je vais prendre peut-être un vélo pour y aller. Et en fait maintenant le soleil il est là, le soleil est là. Je vais vous montrer, attends. Maintenant que le soleil est plus caché derrière les nuages, j'ai encore trop hâte pour faire cette vidéo pour vous. J'espère que le soleil reste avec nous pour toute la journée. Mais je crois que c'est déjà 15h, quelque chose comme ça, mais je suis pas sûre. Alors ça y est, c'est parti. Let's go. Salut, je viens d'arriver ici, dans le premier endroit. Et comme vous le savez, j'aime pas trop filmer pendant que je fais du vélo. Du coup, je suis arrivée dans les. Je crois que c'est le 20e arrondissement. Non, c'est le 19e. 19e arrondissement de Paris. Je crois que ça fait déjà un mois que j'ai les souscriptions du vélo pour les Vélib. Et ça fait tellement du bien de faire du vélo au lieu de prendre les métros. Alors maintenant on est dans le quartier du... c'est pas Belleville mais c'est juste à côté. Là on arrive à l'endroit que je vais vous montrer. Ça c'est les parcs des Bouts de Chemin. Il y a tellement beaucoup de monde. Voilà, voilà, maintenant c'est le temps pour se reposer un peu. Je vais vous dire que j'aime bien ces parcs, pas juste parce qu'il y a beaucoup de nature et tout, mais quand j'en ai un peu marre de Paris, je viens ici parce qu'on dirait que c'est même pas Paris, tu vois. C'est incroyable d'être ici quand il fait beau, avec des amis, en train de lire un livre, quand vous êtes tout seul et tout. Aujourd'hui c'est dimanche, alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Personne travaille aujourd'hui, alors tout le monde est au parc. Mais parfois je viens pendant la semaine. Par exemple, je suis venue mercredi matin cette semaine et c'était
incroyable parce qu'il n'y avait personne. J'avais eu la chance de faire un petit peu de méditation. Normalement, je fais la méditation dans ma chambre, mais si vous le savez, j'habite dans une petite chambre des bonnes. Je préfère être dans l'espace, un endroit qui a beaucoup de place et surtout être autour de la nature. Par rapport à les autres villes que j'avais habitées avant, Paris c'est la ville avec moins de parcs et moins d'espace avec la nature et tout. Quand j'avais habité à Londres, c'était très facile de trouver un endroit avec des arbres, de l'herbe, juste pour te reposer un peu. Mais je trouve ça un peu difficile à Paris, c'est compliqué. C'est une chose de Paris que j'aime pas trop, mais on va pas s'y plaindre. Et voilà mon premier endroit préféré à Paris, c'est les parcs de Bouchemont. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer plutôt un quartier. Je suis venue en vélo, comme toujours. Pendant l'été, c'est franchement les transports que j'utilise le plus. Alors, je vais vous expliquer. J'ai plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi cet endroit, mais surtout, j'ai choisi ce quartier parce qu'il y a beaucoup de cafés, beaucoup de restos qui sont mes préférés. Alors j'ai changé de place parce qu'il y avait beaucoup d'enfants là-bas, il y avait beaucoup de bruit. Franchement, ces quartiers, il y a toujours une bonne ambiance, je trouve. Et aussi, j'aime bien ces quartiers parce que c'est pas très loin de chez moi. On peut commencer là, je vais vous montrer les quartiers et on y va. Il y a littéralement un mec là-bas qui est en train de faire pipi. À Paris, tout le monde fait ça. Bah, on va dire tous les mecs. Mes amis et moi, on fait des soirées ici, juste à côté du canal. Et on achète une bouteille de vin et c'est parti. Il y a des gens ici qui viennent ici pour se bronzer un peu. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a deux mecs là-bas qui sont en train de se bronzer là. Comme j'avais dit, si vous voulez que je fasse une vidéo uniquement sur mes cafés et restos préférés ici dans ce quartier, j'aimerais bien. Ouh là là, tu es à Paris, il y a des gens qui sont toujours en colère entre eux-mêmes. Je sais pas, il y a toujours quelqu'un en colère dans la rue, tu vois. C'est bizarre. Mais ce que je voulais dire, comme avant, j'ai déjà dit, mais si vous voulez que je fasse une vidéo uniquement sur mes cafés et restos préférés ici dans ce quartier, j'aimerais bien faire ça pour vous. Mais juste laisse-moi savoir dans les commentaires. Et voilà République. Cet endroit est connu pour toutes les manifestations. Ici, on a fait la manifestation des changements climatiques. On a fait le Black Lives Matter protest. Et voilà. Hey guys, I just wanted to jump on here at the very end of this video and say thank you so much for watching. And I also wanted to mention that I assume people will be wondering how I learned my French if they haven't been following on my YouTube channel, or how I've progressed over the years whilst living in Paris. And I just wanted to say that I already have several videos just on this topic, which I will be leaving all linked down below.